101e département français, 374 km² à peine à 8000 km de la métropole, Mayotte, c'est la France et c'est le monde entier. Un archipel métissé qui mêle culture et population d'origine arabe, indienne, européenne, malgache, bantoue et chinoise. Pour moi, c'est la promesse de 1000 voyages, 1000 histoires fantastiques et magiques, car il y a ici des habitants que les statistiques ne prennent pas en compte, les esprits. Bienvenue dans Passion Outre-mer grand format. Mayotte, c'est un conte fantastique. Qui peut imaginer un pays où les lacs peuvent être aussi verts qu'une soupe de petits pois, où l'on déguste de la confiture de baobab, du chou palmier et où le maquis n'est pas un plat japonais, mais un drôle de petit lémurien. Comme dans les meilleurs contes, il y a de la magie. Quelle que soit leur croyance, les habitants savent tous que leur terre est avant tout celle des djinns. Ces esprits redoutés et susceptibles sont partout, dans les forêts, autour du Grand Lagon, dans les paysages fascinants des îles. Si vous êtes d'accord, il est temps de larguer les amarres pour l'archipel aux esprits. C'est un petit coin de terre française perdu dans l'hémisphère sud, entre l'Afrique et la grande île de Madagascar. À 8000 km de la métropole, Mayotte, un archipel volcanique de 370 km², constitué de deux îles principales et d'une trentaine de petits îlots, parsemés dans un lagon de 1500 km². Mayotte a toujours fait preuve de discrétion. C'est à peine si l'on se rappelle son histoire, celle du tumultueux archipel des Comores, dont Mayotte partage la culture, la langue, la religion et le passé colonial. Vendue à la France au milieu du 19e siècle par le sultan local, elle est colonie puis territoire d'outre-mer. En 2011, l'île de Mayotte devient le 101e département français. Vu de la métropole, on ne connaît à vrai dire pas grand-chose de cette île. Mayotte ne figure pas dans les catalogues de voyage. Le tourisme de masse n'est pas développé et les hôtels sont plutôt rares. Sur cette île, où la culture africaine est venue teinter la pratique de l'islam, 95% de la population est musulmane. Un islam au visage tranquille que nous découvrons avec Ibrahim. Ce photographe mahorais nous fait partager le daïra, cette danse religieuse musulmane jusqu'au bout de la nuit. Avec Sidi, nous partons à Bandrélé, son village natal, à la rencontre des Mama Shingo qui fabriquent du sel à l'ancienne. Et puis, c'est avec Kalatoumi que nous allons tenter de pénétrer dans le monde des djinns. Un univers à part, où le monde du visible côtoie celui de l'invisible. Un monde peuplé de créatures surnaturelles et d'esprits malins. Terre française du bout du monde, Mayotte, c'est aussi et surtout un lagon, que l'on dit l'un des plus grands et l'un des plus beaux du monde. Il recèle une biodiversité très riche et encore mal connue. La nature ici est à l'état sauvage. Il n'est pas rare de croiser les vagues argentées d'une boule de poisson et de découvrir le balai incessant des oiseaux piquant la tête la première dans l'eau pour se nourrir.
un immense festin qui se déroule sous les yeux de Yannick et de ses invités. Quelques privilégiés qui ont pu également apercevoir furtivement des orques venus se reproduire. Ou bien l'emblématique sirénien, le dugong, devenu de plus en plus rare dans le lagon mahorais. Plus au large, une douzaine d'espèces de dauphins cohabitent dans le lagon et au-delà de la barrière de corail. Ils jouent à l'étrave du bateau. Regardez, juste en bas du bateau. Des longs becs, des dauphins tachetés, des tursiops et plus rarement, des dauphins à bosse. Ils nous accompagnent. C'est nous qui les accompagnons. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Oh là là, ils sont adorables. Oh là là, tout cela. C'est magique. Voilà, on est sur des longs becs. Là, vous en avez une dizaine qui sortent à droite, là. Ceux-là, même quand ils sont sympas, ils ont peur de nous quand on est dans l'eau. Mais alors là, ils sont occupés à autre chose. Ils s'accouplent, là, en fait. C'est pour ça qu'ils s'occupent pas tellement de nous, quoi qu'on fasse. Ils sont en mode accouplement, là. Yannick Stéphan ne se lasse pas du spectacle. 20 ans qu'il parcourt le lagon avec la même envie. Ce Mahorais d'adoption et breton d'origine en connaît le moindre caillou. Il sillonne ses eaux turquoises en quête de ses habitants sous-marins les plus rares. À commencer par la majestueuse raie Manta, le diable des mers. Depuis quelques semaines, il est à sa recherche. Bon, pour en revenir au raie Manta. Ah, c'est pour ça qu'on est là. Justement. Hier, il n'y en avait pas. Ouais. Alors, en fait, on s'est aperçu quand même depuis 8 ans maintenant que les raies manta arrivent toujours sur les grandes marées fin février, début mars. Là, le 20 février, elles étaient arrivées. Là, on avait déjà plein de grosses qui étaient arrivées. 15 jours après, parce que c'est tous les 15 jours, hein, les cycles de grandes marées. 15 jours après, bon, c'était des marées moins importantes, mais c'était des belles marées quand même. Il n'y avait pas de raie manta, mais il n'y avait pas de plancton en surface. Et là, hier, il y avait le plancton. Il y a le courant et il y a le plancton. Alors, moi, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Chaque année, à partir du mois d'avril, les raies manta reviennent dans le lagon pour y passer plusieurs mois. Avec son bateau, Yannick conduit de petits groupes de plongeurs amateurs pour leur faire vivre une aventure hors du commun. Eh ben, ralentis, je vois les feuilles. Il y en a une là, donc vous allez vous préparer. Attention, asseyez-vous et équipez. Pensez à équipez-vous là. Cherchez pas à la voir. Hein. Le but c'est d'aller dans l'eau. Hein. Allez là-bas. Ouais. Donc équipez-vous, puis après on fera un petit briefing. Dans le lagon de Mayotte, les raies manta avoisinent les 4 mètres d'envergure. Mais certains spécimens peuvent atteindre les 7 mètres et peser près de 3 tonnes. Donc là, vraiment, on est dans leur zone de nourriture. Hein. On voit, ça grouille de poissons tout autour, là, en surface, pareil. Ah, ça me paraissait impossible qu'il n'y en ait pas. Bravo ! C'est pas simple, c'est des animaux sauvages, donc la mise à l'eau dépendra d'elles et aussi beaucoup de vous. Il y a des concentrations de plancton et elle va manger où il y a la concentration de plancton. Si vous partez à courir derrière, vous allez la sortir de la table. Vous allez la sortir de sa table et après elle va plonger et c'est fini. Le but c'est de garder une distance pour ne pas l'effrayer la raie manta. Elle cherche la nourriture. Elle mange. Elle mange, là elle mange toujours. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est un animal sauvage et quand vous êtes dans l'eau, évitez de faire des grands mouvements de bras. Allez-y calmement avec les palmes. Vous savez tous bien vous servir des palmes ? Non, pas du tout. C'est vrai ?
Oui, c'est frais. Non, mais vous serrez les palmes, juste, voilà, pour... Je vais me débrouiller. Comme quand vous nagez... Et masque et tuba non plus ? Jamais. C'est quand même pas l'endroit pour apprendre, quand même. Je resterai en surface. Allez, préparez-vous. Bon, glissez-vous dans l'eau. La raie manta se nourrit d'animaux planctoniques et de tout petits poissons. Elle creuse le sable avec ses cornes céphaliques pour obliger ses proies à sortir. La gueule grande ouverte, elle les avale. Pierre, elle est repartie à gauche, là. Quand il y en a deux qui n'ont jamais mis masque tuba palme, qui s'embarquent dans un truc pareil. Restez bien groupés. Avance avec tes bras, parce que sinon tu vas jamais y arriver là. Avec la tête dans l'eau. Excuse-moi, tu vas remonter, parce que tu vas... Tu vois, c'est pas possible, les autres vont pas pouvoir la voir et surveiller toi, faut que tu remontes. Nager avec les raies manta, un privilège rare. Elle est là, elle tourne sous les gens, tu vois ? Oui, ça y est, la voilà. Tu vois, elle est là. Oui, elle est impeccable. Elle est belle. C'est vraiment, elle a les cornes enroulées pour être plus profilée. Et quand elle arrive en surface pour manger, elle les déroule. Là, elle les a déroulées. Dansé devant nous, elle nous a montré ses petites branchures en dessous, on va échouer. Son côté blanc, oui. Son côté noir, ah, oui. C'était super, oui, c'était magnifique. C'est magnifique, oui, ça. Et ça. Elle a bien pris ça. Elle a une envolée absolument magistrale. Sa gueule ouverte aussi. Sa gueule ouverte, oui. Elle a bien raclé son plancton. Oui. Magique, voilà, magique, sensationnel. Personne n'avait vraiment repéré ce site, elles étaient tranquilles. Maintenant, ça doit faire 8 ans là, qu'on a repéré ce site de nourriture une période de l'année. Du coup, maintenant, le week-end, entre les bateaux de plaisance et puis tous les professionnels, des fois, il peut y avoir 30, 40 bateaux, elles n'arrivent même plus à s'alimenter. Ouais. Ça devient compliqué. Car à l'image des baleines, les raies manta sont victimes de leur docilité. Cet animal sauvage pourrait bien, à terme, déserter le lagon pour des eaux plus tranquilles. Encore quelques milles de navigation et Yannick et son équipage vont pouvoir descendre sur le récif. Le lagon de Mayotte vit au rythme des marées. Il permet aux touristes de se promener au milieu des patates de corail à marée basse, avec de l'eau jusqu'aux genoux. Là, on a un petit passage d'un mètre qui nous permet de nous faufiler au milieu de la barrière sur le sable, en fait. On va échouer les bateaux sur le sable au milieu de la barrière. Comme toutes les îles volcaniques, c'est des îles qui apparaissent à une période quand il y a les éruptions et qui disparaissent. Là, l'île de Mayotte, elle a à peu près 8 millions d'années. Sous son propre poids, sous le poids du basalte, sous le poids de la terre et du corail, l'île se renfonce dans la mer. Donc en fait, là, on a les sommets de Mayotte, mais le lagon de Mayotte qui faisait 1500 km², tout ça, c'était l'île de Mayotte. Le corail, lui, il va toujours pousser vers la lumière. Lui, il va toujours aller vers le haut. Alors que l'île va disparaître. Et quand on vous parle d'atoll, un atoll, c'est quand l'île a disparu et qu'il n'y a plus que la barrière de corail. Bonjour tout le monde. Hello. Yannick et son groupe ont rendez-vous sur le platier avec Vincent, un scientifique spécialiste des coraux et de leurs habitants. Donc vous savez que, vu de l'espace, il y a deux constructions faites par des êtres vivants qui sont visibles. Oui. Non. Non.
Ah, la Grande Muraille de Chine quand même, ça tout le monde le connaît. Les pyramides. Et non, et pas celle-là, mais c'est la Grande Barrière de Corail d'Australie. Et donc, on va parler du corail, en fait, qui est représenté par un tout petit animal qu'on appelle le polype. Et ce polype, il faut s'imaginer une toute petite méduse qui est venue se poser sur le fond, à l'envers, donc les tentacules vers la surface, et qui a décidé de se construire une petite maison en calcaire. Et en fait, la partie vivante d'une colonie de corail est à la surface. À l'intérieur, c'est plus que du calcaire. Les animaux vivants seront à la surface et il se nourrira quand même, donc avec ses petites tentacules, il attrapera des proies que lui amènera le courant, du plancton. Cet immense aquarium naturel abrite pas moins de 400 espèces de coraux et près de 760 espèces de poissons. Ce milieu, très riche, est aussi très fragile et sensible à la pression de l'homme. Bon, évitez de faire ça par vous-même, hein. On le fait pour vous montrer, mais il faut savoir que vous pouvez avoir des bêtes mortelles quand même quand vous faites ça. Donc là, un tout petit corail sciaphile, très fragile, qui se développe donc à l'ombre, qu'on va retrouver surtout dans les grottes, sous les rochers. Ici, une éponge qui est donc encroûtante, qui forme une sorte de tapis, souvent de couleur vive puisqu'il y a des molécules très réactives. Là, une belle anémone, qu'on voit assez rarement, qui va se rétracter sous le stress. Elle peut abriter des crevettes à l'intérieur. Ça peut être, c'est du corail, de l'éponge encroûtante, ça, ou du corail? Non, ce sont les acidies. Elles peuvent être en tapis, on les confond avec les coraux mous. Et l'acidie, c'est un peu le chaînon manquant entre les invertébrés et les vertébrés. Puisqu'on s'est rendu compte qu'au stade larvaire, il commençait à développer un début de colonne vertébrale. Il y a aussi les ophiures, les cousins des étoiles de mer. C'est pas vraiment une étoile de mer? Non, voilà, c'est une cousine. C'est un proche parent, c'est dans la grande famille des étoiles de mer. Vous voyez, on a une toute petite là qu'on n'a pas vue, qui se camoufle. Voilà. Donc vous voyez, il y a presque plus de vie concentrée d'un coup sous ces dalles que ce qu'on a vu autour, hein, que les gros animaux qu'on a vus autour et qui vont pouvoir eux résister notamment au flux de la marée. Les pieds autour de la tête, c'est la traduction de céphalopode, la famille dans laquelle est répertorié le poulpe. Doté d'une capacité de mimétisme hors du commun, il se confond avec son environnement dont il prend la teinte et l'apparence. Un gros comme ça peut vous faire très mal, hein, parce qu'il a un bec puissant, il mange des crabes. C'est principalement les crustacés qui mangent les poulpes et les calamars, ce qui fait qu'ils ont un bec très puissant qui leur permet d'ouvrir. Avec les pattes, ils ouvrent, ils mordent le crabe. Le bec, il est au milieu dessous. Les murènes sont très friandes de poulpes. Et il a une tentacule qui s'est fait bouffer et qui a commencé à repousser. Regarde celle-là, là. Regarde celle-là, t'as un tout petit bout qui repousse. Tu vois au bout? Voilà, il s'est calmé. Hein. Au début, quand je l'ai pris, il était... Maintenant, il s'est calmé, il a compris que voilà, on allait pour le manger. Il est beaucoup plus calme. La réglementation, c'est pas de chasse dans le lagon. Maintenant, comme tout le monde braconne dans le lagon, comme tout le monde pêche avec un masque et un tuba, ils sont prélevés en permanence. Donc ça, la population de poulpes est en train de vraiment disparaître. Alors des fois, ils sautent à la gorge, hein. Faites gaffe. Les Mahorais ont l'habitude de dire que le lagon est leur garde-manger. La pêche nourrit en effet plusieurs milliers de familles, mais elle doit être raisonnée, car à l'image des poulpes, les ressources halieutiques du lagon pourraient rapidement disparaître. C'est la fin de la sortie. Yannick réserve une surprise à ses invités. L'une de ses grandes réussites, c'est d'avoir eu l'idée d'organiser des sorties nocturnes sur le récif. Il leur fixe rendez-vous à la tombée de la nuit. Ambiance torche, lampe frontale et chaussures de mer pour une visite du récif aussi inhabituelle que risquée. Allez pas trop vite, hein, parce que ça frise un peu, on a du mal à voir les bestioles. Va pas trop à droite, hein, parce que tu vois, t'es sur des coraux vivants là. Regardez bien sur le bord, hein. Partez pas trop à droite, restez vraiment sur le bord. L'occasion pour les quelques privilégiés qui accompagnent Yannick d'observer de près
d'autres espèces sous-marines, particulièrement actives la nuit. Voilà, bah ça c'est, bah tu vois, ceux-là, j'en ai pas vu hier soir. Ça c'est le poulpe tacheté que tu trouves que la nuit. Tu le verras jamais la journée. Celui-là, tu vois, il a des tentacules très fines et il est plein de taches. Il est adulte. Celui-là, il est adulte. Il change pas de couleur. Ben c'est ça, tu vois, il est plein de petites taches comme ça, là, mais très peu, ouais, par rapport à ceux que tu vois la journée. Voilà, celui-là, il ne deviendra pas plus gros. Il veut qu'une chose, c'est se barrer. Hein. Il y a une murène derrière, je sais pas, mais... Non, c'est une anguille. Là, vous avez une belle anguille. Elle change de couleur. Ah ouais? Ouais, elle peut, si tu vois, si tu la manipules un peu, elle va devenir unie. Plus loin, une danseuse espagnole apparaît dans la lumière des torches. Lorsqu'elle est menacée, cette limace couleur sang effectue cette danse aquatique qui rappelle les mouvements d'ondulation du flamenco. Un signal d'avertissement pour indiquer aux autres poissons qu'elle est toxique. Beaucoup moins sexy, l'holothurie. Les concombres de mer, vous en avez plein d'espèces, hein. Certaines espèces d'holothurie, de concombres de mer, leur moyen de défense, c'est ces tubes de cuvier, là, en fait. Et c'est hyper collant. Ah, c'est pégou, ça. Et si un poisson veut les manger, en fait, et ben voilà, ça colle sur la bouche du poisson. C'est une horreur. Ah ouais, c'est un petit 7 doigts. Alors, si c'est un petit 7 doigts, il est adulte. Hein. Là, on voit ses petits yeux, là. Il y a deux petits yeux qui vont sortir comme des périscopes. Ils vont sortir complètement et... Ouais, ils vont sortir. Après, des fois, il y en a qui se retournent vite et ils sortent, ils regardent ce qui se passe et puis après, ils se retournent. Presque, parce que le moindre... Ouais, voilà, regarde. Hop. Il a accroché. Ouais, bravo. Voilà. Non, non, mais ils attaquent pas. Quand je vous dis que les animaux ont du venin, souvent, c'est pour se défendre, hein, c'est pas pour attaquer. C'est juste que, voilà, faut faire attention. C'est une petite rétorpille. Donc elle, sa particularité, c'est d'envoyer des décharges électriques. Oh, et c'est vraiment très douloureux parce que j'ai... Et l'autre fois, je me suis fait avoir parce qu'il y en a une qui était échouée sur le récif. J'ai voulu la sauver. Très mal ? Ah bah, deux fois avant que je la remette à l'eau, deux fois elle m'a envoyé des décharges, quoi, sympa. Je me suis fait fureur, hein, pour pas qu'elle meure. Elle l'envoie par où, cette... Elle l'envoie par tout son corps, je pense. Elle se sert soit de son électricité, soit en moyen de défense, soit pour paralyser ses proies. Elle va paralyser un poisson, puis elle va l'avaler en entier, quoi. Si, attends, si tu bouges pas, si tu la stresses pas, elle te l'enverra pas. Ça c'est la cantastère. Je connaissais son existence. La cantastère, c'est l'étoile de mer qui broute le corail. Ah bah oui, parce que si tu te piques, ça peut faire mal, ouais. Voilà la fameuse cantastère. Mais la cantastère, elle a le droit d'exister. Elle n'est pas la seule à manger le corail. C'est la quantité, mais... Voilà, quand on voit une acanthastère, il n'y a aucune raison de la tuer. Sinon, on va tuer les poissons perroquets parce qu'ils mangent le corail, les poissons chirurgiens, les balistes, on va tout tuer, quoi. Si... Mais c'est juste que, voilà, on crée un déséquilibre à chaque fois, quoi. L'équilibre du lagon de Mayotte est fragile, car les pressions sont nombreuses. Qu'il s'agisse de pollution, de braconnage, de surpêche ou de dégâts commis par des espèces invasives, le lagon souffre. Depuis 2010, une partie du site a été classée parc naturel marin. Et désormais, une brigade sillonne inlassablement les eaux bleues du lagon pour veiller sur ses trésors. Et notamment sur la mangrove, une forêt tropicale de palétuviers, un arbre capable de vivre dans l'eau salée. La mangrove s'épanouit entre mer et terre dans des zones peu profondes. Elle joue un double rôle dans la lutte contre l'érosion, en piégeant les sédiments
et en atténuant l'action de la houle contre le littoral. Sidi Naourdine, la trentaine, travaille à la Brigade Nature. Accompagné de sa femme, sur la plage de Bandrélé, dans le sud de l'archipel, Sidi a vu l'eau monter chaque année et gagner du terrain sur les habitations qui se trouvent à proximité. Car depuis 20 ans, la mangrove ne retient plus les eaux et le phénomène s'accélère. Ici, sur deux pâtés de maison, il y avait toute la mangrove qui était présente il y a une vingtaine d'années. Avec la pression démographique, on a remblayé toute cette zone et on a mis en place un lotissement. Et là, gros problème, il y a le réseau d'assainissement, il n'est pas opérationnel. Et les évacuations d'eau se font très très mal. Et voilà les eaux usées qui sont libérées et qui rentrent directement dans le lagon. Et c'est pas du tout bien, quoi. Les déchets ménagers et l'absence d'assainissement empêchent la mangrove de se développer. Elle finit par reculer et disparaître. Une situation dramatique, car la mangrove est indispensable pour l'écosystème mahorais. Cette mangrove a un rôle essentiel, justement. Elle fixe les matières organiques. Donc, du coup, elle sert de filtre naturel des eaux de ruissellement ou même des eaux usées. Et en fin de compte, l'eau qui se déverse dans le lagon, elle est relativement propre et limpide, ce qui fait qu'on a derrière la mangrove un lagon, des coraux et des herbiers. En deux mots, la mangrove empêche le lagon de s'envaser et le récif de s'étouffer. Elle est aussi en première ligne pour affronter les vagues de l'océan. Sidi sait que la survie de la mangrove de Mayotte passe par l'éducation des jeunes Mahorais à leur environnement. Ça, vous êtes prêts, les jeunes ? Alors, tous les mercredis, il organise des sorties en kayak avec de jeunes élèves dans cette forêt tropicale qui s'épanouit entre mer et terre. Là, on va aller découvrir la mangrove qui est pionnière, c'est-à-dire celle qui reçoit, qui casse la vague et qui protège bien la terre, quoi. Donc, c'est l'espèce qu'on va voir, s'appelle le manglier fleur. Donc c'est celle-là qui résiste mieux aux assauts des vagues. Donc c'est celle qui est la plus intéressante par rapport à la protection du rivage. En fait, cette espèce de palétuvier se partage les quelques 7 km² de mangroves de l'île. Une mangrove, c'est quoi ? C'est une forêt, d'accord ? Là, vous avez en face de vous une forêt constituée essentiellement par une plante qu'on appelle les palétuviers. On appelle ces palétuviers-là les pionniers. Donc, c'est l'espèce qui fait face à la mer et qui casse la vague. Donc, ça fait un rempart très efficace contre la houle, les cyclones. Quand vous avez des tsunamis, ça vient se casser là. Et ça protège le village qui est derrière vous, là, le village de Bandrélé, d'accord ? On dit que la mangrove est une forêt impénétrable, mais les hommes ont réussi à découper un chemin pour pénétrer dans la mangrove. Donc on va essayer de voir ce qui se passe là-dedans, d'accord ? Allez, prenez une bouteille d'eau, buvez un coup, on va rentrer. Il va faire très chaud là-dedans. Nous allons visiter le territoire des Wanaïssa. Les Wanaïssa sont des esprits qui vivent dans les mangroves et qui les protègent des hommes. Elles ont l'apparence de petites femmes et se déplacent en bondissant. Dans les mangroves, il y a des esprits. Il y a des Wanaïssa. Les Wanaïssa, pour nous, c'est des esprits qui ont des longs cheveux, qui ont un bras atrophié et l'autre très trop petit. Donc la plupart des jeunes, ils ont peur justement de franchir le pas et d'aller au-delà de,
des mangroves, moi je vais les amener pour leur faire justement découvrir ce milieu qui est hautement symbolique et très, très important pour notre île. J'ai entendu parler, mais j'ai jamais vu de mes propres yeux. C'est parce que tu penses qu'il y en a vraiment ? Ouais, parce qu'il y a des grands fondis qui disent qu'il y a, des Wanaïssa, ça existe. Mais je n'ai pas le choix, je dois aller pour visiter. J'ai envie d'aller pour visiter, pour voir. Mais t'as peur ? Ouais, un peu. Les fundis à Mayotte sont ceux qui savent. Des savants, en quelque sorte, maîtrisant un savoir ou un savoir-faire. Alors, quand un fundi dit quelque chose, tout le monde le croit. Donc ici, on appelle ça des palétuviers rouges. Donc, vous goûtez l'arrière des feuilles, normalement c'est salé. Essayez voir. Vous allez goûter l'arrière des feuilles, vous mettez la langue. C'est salé ? C'est salé. Il n'y a que 7 plantes qui arrivent à résister dans ce milieu-là. Le sol ici, il est très très salé. Dedans, il y a moins d'oxygène. Donc pour respirer, la plante, il a développé un système qui fait que les racines sortent du sol comme des tubas pour aller chercher l'oxygène dont il a besoin pour se développer. Au bout là, vous avez des trous, ça fait comme des tubas. Le sol ici là, il est meuble et salé, il y a plein de sel dedans, il n'y a pas d'oxygène. Si vous plantez un cocotier ici, il meurt. Donc celui-là, il sort les racines pour aller chercher l'oxygène dont il a besoin. D'accord ? La graine du palétuvier rouge, la spécificité du palétuvier rouge que vous avez ici, là, vous voyez les feuilles. On a des feuilles qui sont pointues, d'accord ? Il y a une petite aiguille ici. C'est comme ça qu'on reconnaît les palétuviers rouges. Et le fruit qui est là, il germe sur l'arbre mère, d'accord ? Et quand il arrive à un certain stade, d'accord, il se décroche et il tombe. Et il fait comme ça parce qu'il a une forme d'obus. En bas, c'est plus lourd et en haut, c'est plus petit. Donc, c'est fuselé, ça descend tout seul et il se plante directement sur la vase. D'accord ? Et là, c'est parti. Là, vous avez des feuilles qui vont sortir et en bas, les racines vont se développer. D'accord ? De la mangrove à perte de vue, mais toujours pas de Wanaïssa. Normalement, quand on siffle, et voilà, il sort. Quelqu'un va essayer de faire. S'il sort, vous le lâchez. Normalement, quand il faut le... Vous le tournez, il sort. Tu ne sais pas siffler ? Tu le tournes, voilà, un peu, tu le penches un tout petit peu, des fois il sort. Il faut prendre des cours là, les gars. C'est un lieu où il y a plein de Wanaïssa là, donc je pense qu'il ne faut pas rester longtemps parce que les Wanaïssa ils sortent vers 3 heures. Allez, on va chercher nos bateaux, d'accord ? Allez, c'est parti. Pas sûr que les Wanaïssa puissent protéger encore longtemps la mangrove de la pression humaine. Car au cours des 3 dernières décennies, sa surface s'est réduite de 30% et continue de diminuer au rythme inquiétant de 1 à 2% par an. Sur le chemin du retour, quelques femmes du village de Bandrélé, là où vit Sidi, se livrent à une surprenante partie de pêche. Elles utilisent des lambas cousus entre eux, une sorte de paréo local, qui forme comme un filet. Elles avancent dans l'eau et piègent de petits poissons. Cette technique de pêche, on l'appelle la pêche au djarifa. Donc c'est fait par 3 femmes. Il y a 2 femmes qui tiennent le djarifa pour encercler le poisson.
il y a une troisième dame qui rabat le poisson vers le Djarifa pour les piéger. C'est une pêche vivrière, quoi. Ils font pas ça pour aller vendre, ils font juste pour la consommation personnelle. Ça arrive des pêches miraculeuses parce que c'est saisonnier, c'est des poissons qui migrent. Donc il y a des saisons où ils font 2-3 Djarifa et ils en attrapent beaucoup, quoi. Après quelques dizaines de minutes de marche, Sidi se retrouve en famille pour un repas typique. Et ben là, c'est du romazal, ce sont des bread mafan. Enfin, c'est des feuilles qui ont un effet un petit peu anesthésiant et que quand on les mange, ça donne un goût de fraîcheur en fait dans la bouche. Donc c'est très... C'est le plat qu'on mange le plus souvent parce que c'est pas trop cher et puis c'est local et puis c'est bon surtout. Marié à une Bretonne rencontrée en métropole quand il faisait ses études, Sidi est revenu à Mayotte fonder une famille et il ne le regrette pas. J'ai fait 10 ans en métropole et là ça fait depuis une quinzaine d'années qu'on est à Mayotte. Depuis 15 ans, depuis 2000 qu'on est à Mayotte là. On apprend à vivre de manière un peu plus simple. Un peu plus simple et plus proche de la vraie vie, quoi, en fait. Ça a plus de sens. On sait pourquoi on se lève pour travailler. On a un champ où on cultive, on a des oranges. Enfin, je pense que c'est une chance d'être venue à Mayotte. Enfin, moi, jusqu'ici, j'y ai trouvé que du bonheur. Et je continue toujours à trouver que Mayotte reste une des plus belles îles, en tout cas, au point de vue naturel, et qu'il faut vraiment mettre en valeur, quoi. Ouais, je suis content. Je suis content qu'elle ait cette position parce que elle milite pour justement préserver notre culture, quoi. C'est très important. Celui qui n'a pas de culture, c'est comme si c'était un arbre qui n'avait pas de racines, donc c'est pas bon. Bandrélé, le village de Sidi, est connu dans toutes les Comores pour son sel. Une activité exclusivement réservée aux femmes. Lorsque la mer se retire, les femmes de Bandrélé grattent le sol imprégné de sel. Ça, c'est l'or de Bandrélé, le sel. Parce qu'avant, les gens ils partaient de loin, de Mtsamburo, pour venir à Bandrélé, rien que pour acheter du sel. Maintenant, il y a des grosses entreprises qui importent le sel de Madagascar ou même d'Europe, ce qui fait que le petit marché local il est complètement mort. Donc les dames que vous voyez ici aujourd'hui, elles essaient un peu d'entretenir justement ces traditions pour essayer de faire revivre cette technique qui est en train de un peu disparaître. Aïka, une citadine de la grande ville de Mamoudzou, est venue ici pour mieux comprendre cette tradition qu'elle ignorait. C'est quand même un sacré boulot, hein. Moi, je pense pas que je vais tenir longtemps. Je consomme du sel de Bandrélé, mais j'avais aucune idée de la façon dont ce sel est fabriqué, comment les gens travaillent. Et c'est quand même un sacré boulot. Pour moi, c'est de la boue qui est là et franchement, j'ai du mal à imaginer que c'est avec ça qu'on fabrique du sel. Thank you.
Ça, c'est ce qu'on a ramassé là-bas. La terre est ensuite placée dans des bacs troués dans le fond et dans lesquels les femmes ont disposé des sacs de riz vides et un peu de gravier. Elles versent ensuite de l'eau de mer récupérée à marée haute. Le limon qu'ils ont stocké dedans comporte une certaine quantité de sel. Donc en mettant de l'eau, le sel va se dissoudre et il va avoir un système de filtre qui va se faire et ça va couler. Quand ce sera fini, on aura de l'eau avec une très forte concentration de sel. La solution de sel est chauffée à l'aide de feux de bois dans de grands bacs en métal. Puis, elle est mélangée régulièrement pour obtenir une cristallisation fine. Le sel est ensuite récolté et mis en sacs. Des sacs de 25 à 30 kg chacun, commercialisés dans tout l'océan Indien à 4 euros le kilo. Ibrahim Mkolo est un jeune passionné de photographie. Après avoir passé quelques années en métropole pour ses études, il est revenu dans son pays immortaliser le patrimoine culturel et géographique de son île. Là, on est à Chikoni, donc chez moi, là où je suis né. Donc ici, on a à Chikoni, la ville basse de Chikoni, qui donne ce paysage magnifique. Le village d'Ibrahim est l'un des plus connus de Mayotte. Il surplombe le lagon et ses paysages somptueux. En fait, quand je fais les photos, c'est plus lever de jour. Là, quand c'est vraiment calme, on a les nuages qui commencent un peu sombres, mais pas vraiment. On a l'eau qui est encore trop calme, tout bleu. Des fois, d'ici vers l'îlot, la vue est magnifique. Donc c'est ici que j'habite avec toute ma famille. Voilà. Les frères et sœurs d'Ibrahim habitent tous ici avec lui, dans la maison familiale. 8 enfants qui n'ont pu se résoudre à quitter le domicile parental. Oudina ! Ça veut dire quoi, ça ? Oudina, c'est comme si, en fait, c'est un signe pour demander est-ce qu'il y a quelqu'un et tout ça. Donc, quand on rentre chez les gens, il faut toujours dire « Odina ». Donc, eux doivent dire « Karibou » pour nous dire « Vous pouvez venir, vous pouvez entrer ». Donc voilà, il y a la maman et puis il y a ma belle-sœur qui est là avec son fils, Isaka, et là, aussi sa fille. Elle, c'est ma grande-sœur, elle s'appelle Sophia. C'est elle, en gros, qui nous donne des ordres à la maison, quoi, qui joue la maman. Voilà. Sophia s'apprête à se rendre dans le village voisin avec Ibrahim. Mais avant de sortir, elle doit se maquiller. Une tradition féminine. Beaucoup de femmes mahoraises, comme Sophia, portent le minzano, une sorte de masque de beauté autrefois réservé aux seules femmes mariées. Mais aujourd'hui, ce type de maquillage est devenu courant, même chez les jeunes filles. Pour faire ça, il faut une pierre de corail et ensuite des bois de santane. Je mets un peu d'eau, un petit peu,
Ensuite, pourquoi c'est pour les protéger ou... Alors oui, ça c'est pour se protéger du soleil. Pour se protéger du soleil, et ça c'est bien aussi pour la peau parce que ça sert un peu comme du gommage. Un maquillage traditionnel qui pourrait bien être remis en question, car les autorités françaises interdisent le ramassage des pierres de corail. Parée de son masque de beauté, Sophia s'apprête à rejoindre les autres femmes pour préparer le daïra de Malamani. À l'origine, le daïra est un chant religieux accompagné d'une danse réservée aux hommes. Mais au fil du temps, c'est devenu une manifestation communautaire que chaque village de Mayotte organise à son tour. Mayotte est une terre musulmane à 95% et les participants viennent souvent nombreux et de loin pour le daïra. C'est aux locaux d'assurer le repas des invités. Alors, les femmes sont sur le pont dès le lever du jour pour le préparer. Mais leur participation se limitera à la cuisine. Il y en a une qui va préparer le bread mafamé, il y en a une qui va préparer une soupe de viande, après il y a une qui va faire une salade et une autre qui va préparer un dessert pour ce soir. Car le daïra, c'est exclusivement une affaire d'hommes. C'est les hommes qui vont danser parce que des femmes ne peuvent pas aller se mélanger avec les hommes pour danser voilà, le daïra. Donc c'était spécialement pour les hommes. Nous, les femmes, on est là juste pour assister et préparer l'accueil des invités, faire manger et tout ce qui va avec. Les hommes du village s'occupent de l'aspect technique de la manifestation. En fait, là, c'est la hauteur de ça, quoi, parce que comme c'est là où on va accrocher les ampoules, donc pour que les gens ne puissent pas, non plus en dansant, toucher le fil. Voilà, en fait, ils vont danser comme ça. Et du coup, ça risque de toucher et ça peut, comme c'est de l'électricité, ça peut, c'est pas bien. Le daïra est une cérémonie organisée par les confréries soufis qui commence souvent par le sacrifice du zébu. Un rite qui est celui de tous les événements importants de Mayotte. Avant de tuer le zébu, on positionne sa tête vers la Mecque et on le purifie pour le rendre halal. C'est la manière traditionnelle, hein, technique traditionnelle qu'ils sont en train de faire là. Vu que bon, on n'a pas un abattoir pour ça ici, donc on essaye de faire de notre mieux pour non plus ne pas salir la viande. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces feuilles, quoi. La viande est ensuite découpée et distribuée à chaque participant. Quelques kilos pour leur consommation personnelle et le reste sera servi au daïra. Ce sont les hommes qui cuisinent l'animal sacré. On met juste du sel, un peu d'oignon, et puis on laisse là, et après le feu fait son travail, quoi. Voilà. Et en moins d'une heure, les participants auront avalé les plats cuisinés par les femmes tout au long de la journée. Il est maintenant temps de se vêtir de la djellaba et de se coiffer du koufi pour participer au daïra. Un cercle se constitue avec au centre un groupe de danseurs. Au milieu, un homme dirige le mouvement. C'est l'imam. Plusieurs se succéderont tout au long de la nuit. Désormais, ceux qui pénètrent dans le cercle, représentant symboliquement la Mecque, ne peuvent en sortir qu'avec l'autorisation de l'imam. Les autres tournent sans fin
comme il le ferait autour de la pierre sacrée. Exténués et ruisselants de sueur, les disciples accèdent à une sorte d'extase. Le cercle de danse sacrée se tient jusqu'au bout de la nuit. Parfois même sur le parvis de la mosquée. Peu d'entre eux iront jusqu'au petit jour, mais qu'importe, ils recommenceront samedi prochain quelque part dans un autre village. Le lendemain matin, nous retrouvons Ibrahim à l'embarcadère de Grande Terre. Il doit se rendre de l'autre côté du bras de mer, à Petite Terre, pour un vol au-dessus de la barrière de corail. Car avec ses clichés, il espère bien décrocher un contrat. Mais avant de prendre l'avion, il va falloir barger, en langage maorais. Véritable institution, la barge est une embarcation à deux niveaux qui relie Petite Terre à Grande Terre. Un quart d'heure de traversée et 12 rotations par jour en moyenne. Il faut savoir que la barge, en tout cas ici à Mayotte, est un lieu de rencontre, de convivialité, de partage, parce que beaucoup de gens, notamment la politique, beaucoup de politiciens font leur politique ici au sein de la barge. Il y a beaucoup de couples qui se forment aussi à travers voilà, ces 15 minutes de traversée. Et puis, voilà, c'est aussi un moment d'apprécier tout simplement le lagon et le paysage. Savourer le paysage et admirer le fabuleux spectacle qu'offre le lagon et ses animaux. Ça permet aussi de faire des rencontres avec de nouvelles personnes, rencontrer des familles qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Donc effectivement, c'est comme un café, mais au lieu d'aller prendre le café, d'aller boire du café, ben on le fait à la barge, en échangeant tout simplement. Un mélange de culture, de métier et d'univers le temps d'une traversée. Sur l'île de Mayotte, les moyens aériens sont limités. C'est donc en ULM qu'Ibrahim va parcourir le lagon. Bon, tout est parfait. Un décollage 16, on rappelle sur Iconité. Vu du ciel, son immensité impressionne. Parfois, plus de 4 km séparent la côte de la barrière de corail et sa profondeur peut atteindre par endroits plus de 70 mètres. Le lagon est parsemé d'une centaine d'îlots coralliens de toute beauté. Le lagon maorais se différencie des autres lagons
par la présence au sud de l'île d'une double barrière récifale de 18 km de long. Un phénomène géologique extrêmement rare que l'on ne peut voir qu'à deux autres endroits dans le monde, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Fidji. C'est cette double barrière de corail parallèle qui pourrait indirectement être à l'origine du mot Mayotte, Maouti en arabe, qui signifie la mort. Car seuls les Arabes connaissaient les passages à travers ce double récif. Et les navires français, portugais ou espagnols, venus déloger les Arabes, se sont fracassés des années durant sur ces deux barrières récifales. La barrière de corail mahoraise s'étend tout de même sur près de 195 km. Il n'existe qu'une dizaine de passes, dont la plus fameuse est celle en forme de S. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est la passe en S. La passe en S, là. Oui, là, voilà. Et là, on va aller dessus, on va faire des images, là. Ah, nickel, voilà. Ah, ça, j'adore ça. La passe Longo-Gori, plus connue sous le nom de passe en S, a pour origine le lit d'une rivière, ce qui explique sa forme sinueuse et son nom, Longo-Gori, le chemin sinueux. Apparue il y a plus de 20 000 ans lors de la dernière glaciation, elle est très connue des plongeurs du monde entier. C'est très très bien, on a eu une météo qui allait très bien avec. Ouais, la vue est... Ouais, ouais, là c'est vraiment le top, hein, parce ouais. Que pour ce matin, et voilà, passe à main, voilà, nickel. Lentement, mais sûrement. Sûrement, voilà. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours. À quelques mètres de l'ULM, l'hélico de la gendarmerie s'apprête à décoller pour une mission de surveillance du lagon. Il s'agit de repérer d'éventuelles embarcations de clandestins. Bonjour. Ça va ? Ça va bien ? Tranquille ? Oui. Ibrahim en profite pour faire quelques photos. L'écureuil de la gendarmerie sera le sujet de son prochain reportage. Mais aujourd'hui, il ne participera pas à la mission. Allez, on y va. C'est bon les pales ? Alors les pales, on dit c'est bon pour les pales parce qu'on fait attention que les pales ne touchent pas le bord du hangar. Parce qu'une pale, ça coûte très très cher. C'est le commandant héritier qui pilote l'engin pour cette mission. Sur mer, la vedette de la brigade nautique les assiste. La navigation s'avère délicate, car le lagon de Mayotte comporte des pièges. À certaines périodes du jour et de la nuit, en fonction des marées, on ne passe pas. Donc il faut connaître les passes et je pense qu'il y a eu pas mal de naufrages dans le secteur. Et donc je pense que pour les marins de l'époque qui venaient des autres îles, ça devait être dangereux pour eux. Donc c'est peut-être pour ça que Mayotte, ils n'y allaient pas trop quoi, à l'époque. Aujourd'hui encore, le lagon est dangereux. Comme en témoigne ce bateau africain qui s'est retourné sur le récif. C'est un boutre, une embarcation malgache ou mozambicaine qui a été récupérée donc, sur la barrière récifale donc, à l'ouest de Mayotte. Hein, il est venu s'échouer il y a une semaine environ. Donc,
Sauf qu'à la base, il avait une tourelle d'environ 8-9 mètres. Et quand il est venu se fracasser sur le récif, donc la tourelle de 9 mètres s'est rompue quoi, et est restée à couler au fond. Malheureusement, ça a dû abîmer le récif et tout l'écosystème qui gravite autour. Les gendarmes décident de contrôler un pêcheur local. La taille des poissons pêchés et la présence des équipements de sécurité ne sont pas souvent respectés. On a pêché les poissons. Bah ouais. Le gros tacheté, c'est un merou, ça. Demande-lui depuis combien de temps il est là, depuis combien de temps il pêche. Six heures. Il n'a pas de gilet, il n'a pas de... Est-ce qu'il a un téléphone avec lui? Il a un téléphone, là. Rien du tout. D'accord. Vous avez un petit peu une embarcation typique de ce qu'on peut retrouver sur les côtes mahoraises. Donc une pirogue à balancier. Et donc bien sûr son piroguier, sans éléments de sécurité. Donc pas de gilet. Là, il n'a aucun moyen de communication. Donc pas de VHF ni de téléphone portable. Hein, parce que la plupart des pêcheurs ont quand même un téléphone portable. Donc vous voyez, avec ce type d'embarcation, s'il se prend une vague ou autre, s'il se retrouve à l'eau, déjà sans gilet de sauvetage, il a moins de chances de s'en sortir. Demande-lui si il sait nager. Bonjour, Joël. Ouais, il sait nager. Parce que la plupart des pêcheurs, une fois dans l'eau, ils sont perdus. Quoi. Dans leur embarcation, il n'y a pas de souci, mais dans l'eau, ils ne savent pas plus nager que ça. Les gendarmes laissent repartir le pêcheur avec un simple rappel à la loi. À bord de l'hélico, le commandant reçoit un message radio de la station radar de l'île. Une embarcation suspecte est signalée dans le sud-ouest. 12 degrés, 34 minutes, 41 secondes, 0,44 degrés, 52 minutes, 56 secondes. On a bien pris de Charlie Oscar. Écoute, on va dessus. Tu l'estimes à combien de nautiques? À 20 nautiques dans le 320 de Sada. On a bien pris 3 nautiques dans le 320 de Sada, correct? Ok, hop, 20 nautiques, 10 minutes de vol. Au 320. Ok. Quand il y a ce genre d'appel, en général, c'est qu'il y a un bateau avec des clandestins, c'est ça? Disons que quand ils nous appellent, ils ont un écho sur un radar et ils ne savent pas si ce sont des pêcheurs ou des clandestins. Donc ils nous demandent d'aller identifier l'embarcation. Et si c'est un pêcheur, eh bien, on lui dit que l'écho est négatif. Et si c'est un quassa avec des personnes à bord, eh bien c'est un quassa positif. Ensuite, il y a la brigade gendarmerie nautique qui interviendra pour recueillir, pour arrêter les gens. Un quassa, c'est une embarcation de pêche comorienne où s'entassent les clandestins qui veulent débarquer à Mayotte. Tous les jours, ils sont des dizaines à tenter de gagner les terres de ce nouvel Eldorado. Ouais, c'est bien un quassa, hein. Il y a une quinzaine de personnes à bord. Ok. Ouais, bon. Donc vous pouvez avertir le PC. Okay. Quinzaine. Ça marche. La brigade nautique met les gaz. Les 600 chevaux du pneumatique ne laissent aucune chance aux petits bateaux de pêche. On va faire partir un moyen. Cinq minutes plus tard, les gendarmes arraisonnent les clandestins. Hey, stop ! Salam alaikum ! Il y a des Africains ? Non ? Un jouant ? Comment ? Bon, les enfants, allez. Ces migrants sont essentiellement originaires de l'île d'Anjouan, une des trois îles de l'archipel des Comores. Avec qui elle est, la petite ? Hein ? Avec toi ?
Bien. Ils sont partis en fin de nuit. Allez. Et ont parcouru 60 km avant de se faire prendre. Non. Allez. Pause. Pause. Tenez-vous. Qu'est-ce que tu viens faire alors? Qu'est-ce que tu fais en jouant? Assis-toi là-bas. Vous avez essayé d'autres fois déjà? Qui, moi? Ouais, vous avez essayé déjà d'autres fois? Oui, là, c'était le jeudi passé. Le jeudi passé, j'ai essayé. Et voilà. En 20 ans, plus de 12 000 personnes ont péri dans ce canal de la mort, selon les autorités comoriennes. 600 embarcations ont été interceptées et 20 000 personnes ont été reconduites à la frontière en 2014. Pourtant, beaucoup arrivent à déjouer la vigilance des gendarmes et prennent possession de petits îlots ou de terrains privés sur l'île principale de Mayotte. Ils tentent ainsi de survivre en causant souvent des dégradations importantes dans le milieu naturel. Ils défrichent les forêts pour implanter des cultures, donc automatiquement ils font des brûlis, ils défrichent, ils coupent les grands arbres, ils cultivent et ça fait de l'érosion. Quand vous promenez dans la campagne à Orèze, vous passez dans des sentiers, à des moments vous voyez ils ont coupé tous les arbres pour planter des bananiers, du manioc. Donc je ne sais pas jusqu'à quand l'équilibre écologique va pouvoir être maintenu. Car c'est une explosion de l'immigration clandestine à laquelle les autorités françaises assistent. On estime à 60% la proportion de clandestins sur l'île, avec des conséquences humanitaires, sociales et environnementales désastreuses. L'immigration n'est plus seulement comorienne. On vient de tout le continent africain pour profiter de la relative prospérité mahoraise. Nous retrouvons Ibrahim, notre photographe, sur Grande Terre, là où l'histoire de Mayotte s'est confondue avec celle de la France. Donc ici au fond là-bas, on a la pointe Mahabou. Donc la pointe Mahabou, c'est un lieu très mythique ici à Mayotte, réputé parce que c'est là où est enterré le grand sultan André Ntsouli, donc l'homme qui a vendu ou qui a cédé Mayotte à la France. C'est le sultan Adrien Ntsouli qui céda Mayotte aux Français au milieu du 19e siècle. 6 ans plus tard, il est assassiné et repose depuis au sommet du jardin botanique de la pointe Mahabou. C'est ici qu'Ibrahim a rendez-vous avec Kalatoumi, une journaliste spécialiste des traditions et de l'histoire de son pays. J'attendais que toi pour m'expliquer un peu plus sur l'histoire. Ils sont venus en pèlerinage au sommet de la montagne sur la tombe du sultan, considéré par les Mahorais comme le maître des esprits. C'est pas juste un tombeau, mais c'est un lieu très sacré pour les Mahorais. Donc beaucoup de gens se déplacent de partout pour venir jusqu'ici pour vénérer l'esprit de ce sultan André Ntsouli. Parce qu'à Mayotte, rien ne peut se faire sans justement consulter les esprits. L'esprit d'Adrien Ntsouli est le plus respecté à Mayotte, mais il en existe des dizaines d'autres qui s'invitent dans le quotidien des Mahorais. Les esprits, vous y croyez? Bah, c'est dans nos habitudes, alors croire ou pas croire. Oui, j'y crois. C'est notre religion. Après, il y a des religions qui sont plus puissantes, qui sont venues camoufler un peu tout ça, mais ça persiste. Il y a de la résistance. C'est un esprit qui, pendant un moment, prend le corps d'une personne. Et cette personne, en fait, n'est plus maître de lui-même. Quand tu vois la personne parler, en fait, c'est pas elle qui parle, mais c'est l'esprit qui a pris possession de son corps et qui parle, qui s'explique. Beaucoup de Mahorais vivent en contact permanent avec le monde de l'invisible. Un monde où les esprits cohabitent avec d'autres entités mystérieuses, les djinns. Des créatures qu'évoque le Coran et qui peuplent chaque recoin de la nature. Ils peuvent prendre des formes animales ou demeurer impalpables. L'île regorge de lieux sacrés et magiques, les Diarras,
où l'on vient procéder à des offrandes ou à des cérémonies rituelles. À Chikoni, la nièce de Kalatumi escorte une amie pour assister à un rite à la cascade Sulu, un diara très connu de la côte ouest. Il s'agit d'accompagner une vieille dame souffrant de troubles psychiques pour une purification préventive. Donc, il y a plusieurs types de plantes. Il y a du vaimora, il y a du fankamelu. Ces plantes ont des vertus thérapeutiques dans le monde des esprits. Et chaque plante qui compose ce remède va expulser les mauvaises choses qui pourraient être autour d'elle, comme des mauvais esprits, des mauvaises ondes. Tous ces médicaments-là vont être amenés à la cascade de Sulu pour un bain rituel. Donc, ce seau va être rempli d'eau. On va mélanger les plantes ensemble et faire baigner la personne avec. La cascade Sulu se trouve un peu plus au nord de Chikoni, à une quinzaine de kilomètres. Pour y accéder, il faut emprunter un petit sentier là où commence le territoire des djinns. Au bout du sentier, la lumière d'une plage, à deux pas de la cascade sacrée. On va faire brûler de l'encens pour faire appeler les esprits, enfin, pour les faire venir. Et elles vont se servir aussi des parfums que les esprits aussi aiment. C'est en vêtements traditionnels que les femmes pénètrent sous la cascade. Par ses vertus magiques, l'eau de cette cascade est censée purifier le corps de la patiente. Pour établir le contact avec un djinn, ces femmes ont besoin d'un fundi. Littéralement, en maoré, c'est celui qui sait. Aujourd'hui, le fundi, c'est Aouni. Malgré le cérémonial, l'esprit reste muet, mais le bain rituel va tout de même être donné. Pour que le cérémonial soit complet, les esprits de la cascade doivent eux aussi être honorés. Alors, toutes les femmes vont passer sous la chute d'eau.
voit un arc-en-ciel. Et d'après les dames, cet arc-en-ciel est la manifestation de l'esprit qui manifeste en fait sa joie et le fait qu'on est venu ici le voir, enfin le visiter en quelque sorte, il se manifeste par cet arc-en-ciel. Maintenant, elles vont se préparer pour rentrer et elles ne peuvent pas se retourner en arrière en fait. Puisqu'on a laissé toutes les choses mauvaises derrière nous, il ne faut plus qu'on regarde en arrière. Et elles vont aussi laisser le salouva avec laquelle elles se sont baignées. Elles ne peuvent pas le ramener à la maison. Le lendemain, c'est en plein cœur de Mamoudzou que nous avons de nouveau rendez-vous avec les djinns. Kalatoumi, la journaliste, nous accompagne et c'est dans cette cour discrète que l'on rassemble les offrandes pour le rituel qui s'annonce au son du gaboussi, un instrument de musique traditionnelle. En attendant l'arrivée du Fundi, Kolo, son assistant prépare Ali, le patient. À peine douché, Ali manifeste des signes étranges. De ton corps et donc je pense qu'il est déjà plus tout à fait lui-même. Kolo essaie de le calmer mais ça a l'air bien éprouvant pour lui en fait physiquement. À l'extérieur, comme un boxeur qui se prépare au combat, le Fundi se met en condition pour accueillir les djinns. Il est entouré de ses assistants. Quand je prépare sa tenue, bah on est là pour l'aider un peu parce qu'il y a beaucoup à faire et il ne peut pas tout faire tout seul, donc on l'aide un peu. Des fois, il y a des gens qui lui payent des billets pour aller aux Antilles, en Afrique, voyager un peu partout. Parce qu'il y a même des métropolitains qui viennent là pour des affaires qui le concernent. Alors, ah ouais. Oui, elle a déjà eu. Et ils ont été contents du résultat ? Oui, tout à fait. Dans la case, les esprits sont à l'œuvre. Kolo, l'assistant du Fundi, accueille à son tour l'esprit en lui, sous le regard de Sofia, la sœur du Fundi. Elle aide son frère depuis plus de 30 ans et les esprits n'ont plus de secret pour elle. Il s'agit d'un esprit, mais de son vivant, il était marin. Donc quand il vient dans le corps d'une personne, il s'habille comme il s'habillait avant de mourir. L'esprit du patient est en train d'apparaître. C'est un ancien marin disparu en mer, et pour l'aider à se manifester encore plus vite, il faut taper dans les mains, comme le veut la tradition, et se costumer. C'était ces fameux marins qui ont accompagné le fameux André Antsouli, qui se sont noyés au large de Mayotte. Là. Donc leur esprit aujourd'hui sont encore vivants et peuvent s'incarner sur des humains. À l'extérieur, Doudou le Fondi se prépare à accueillir un djinn dont il est l'hôte. Mais avant, il se badigeonne abondamment de Tanimaland sur certaines parties du corps pour se protéger.
ce sont des endroits où du vivant de l'esprit, en fait, quand il était un être humain, il avait mal à ces endroits-là. Donc on lui met du tanmalan pour qu'en se manifestant ici, ça ne fasse pas mal à Doudou, surtout après quand l'esprit partira. Il ne faut pas qu'il ait mal. À partir de maintenant, ce que l'assistance voit n'est que l'enveloppe charnelle de Doudou le fondi, de Colo son assistant et de leurs patients. Le reste est contrôlé par les esprits. Quand tu agis, c'est lui qui agit. Quand tu fumes, c'est lui qui fume en réalité. Quand on te voit boire, c'est lui qui boit en réalité. Ces cérémonies secrètes sont fréquentes dans la culture et les croyances mahoraises. Les djinns et ceux qui y croient constituent un monde à part peuplé d'êtres invisibles qui s'immiscent constamment dans la vie quotidienne des habitants de Mayotte. Et comme on dit ici, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les djinns qu'ils n'existent pas. Martial Nicolas ne court plus après les djinns depuis longtemps. Son boulot, entre autres, c'est de traquer les réfugiés clandestins installés sur les petits îlots en face de Grande Terre. Il fait partie du PSIG, le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale. Il est accompagné aujourd'hui de Thomas, un jeune gendarme qui vient d'être muté sur l'île et qui ne connaît pas vraiment l'endroit. Là, il est où, l'îlot ? Là, l'îlot, tiens, regarde, on commence à voir la pointe. Donc là, c'est juste derrière, et tant qu'on n'aura pas passé à quoi, on le verra pas en entier, quoi. Et là, le temps d'y arriver, bah, ça va dépendre de la mer, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais en gros, 45 minutes, voilà. Pour l'occasion, les gendarmes ont pris un bateau de pêche comorien, plus discret et plus maniable. Malgré tout, ils sont facilement repérés. Certains arrivent par cette plage-là et ensuite il y a un sentier qui monte au col et ils redescendent de l'autre côté. Donc femmes, enfants, tout le monde. Il y a des gens là-bas ? Ah oui, il y a des gens là-bas, oui. Donc là, ils nous ont bien identifiés, hein, tu vois, ils prennent leur temps. De toute façon, ils savent très bien qu'on ne peut pas arriver trop vite. Quatre personnes. Donc là, tu vois, ils prennent le sentier habituel qui les fait monter par le col. Lâche. À peine débarqué sur la plage, Martial découvre le camp des réfugiés et les dommages causés à l'environnement. Alors, c'est où ? Donc, comme on peut voir, ils se mettent à l'abri des vues derrière la végétation. Et donc là, c'est le garde-manger. Il y a une, deux, il y a trois carapaces. Les clandestins, pour se nourrir, n'hésitent pas à pêcher des tortues vertes. Une espèce en voie de disparition partout dans le monde est protégée par la Convention de Washington. Donc comme tu as pu voir, hein, ils ne se pressent pas, hein, parce qu'ils savent que le temps qu'on arrive, qu'on beach et qu'on débarque, bon, bah, le temps qu'ils montent dans la végétation, ils sont tranquilles, quoi. Si tu te retournes sur ta droite, tu as la Kwasa qui est cachée dans la végétation. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse faire ces missions-là en Kwasa. Ça nous permet de débarquer et de découvrir, parce que si on reste au large en train de patrouiller autour en bateau, bah on ne voit pas du tout les mêmes choses. Toi, regarde. Et t'as encore une carapace de tortue, là, ici. Une tortue qui a été tuée il n'y a pas longtemps. Et c'est qu'une partie qu'on voit. Hein. Il y a tellement qu'on ne voit pas, on peut, enfin, on n'est pas partout. Hein, donc. On est arrivé, il y avait plein de marches, plein de pieds au sol. J'ai vu quatre mecs monter. Hop. Et donc on a fait le tour, on a regardé, donc il y a des vêtements et puis la Kwasa est planquée dans la végétation. Avec l'aide de la brigade nautique,
les gendarmes décident de confisquer l'engin de pêche. De retour à terre, c'est une autre mission d'intervention qui les attend, toujours en rapport avec les clandestins. Des témoignages confirment l'existence de puits à charbon illégaux au cœur de la forêt mahoraise. Les puits à charbon sont des grands trous dans lesquels les clandestins entassent des bois de manguiers, d'avocatiers et d'autres espèces qu'ils abattent illégalement dans la forêt. Ils les recouvrent ensuite de végétaux et de terre pour qu'il y ait combustion, mais sans oxygène. Le charbon de bois produit est ensuite vendu sur les marchés locaux. On ne sait jamais sur trop quoi on va. Bon là, on sait que c'est un puits de charbon, quoi qu'il en soit. Mais on ne sait pas sur qui on risque de tomber. Est-ce que ça va être des gens virulents, pas virulents Intervenir en plein cœur de la brousse mahoraise n'est pas simple pour le PSIG. Les chemins sont pentus et boueux. Le bahut ici. Nous, après, on continue avec l'équipe. Comme ça, ça nous évite de... On peut encore pousser 800 mètres. Là, 800 mètres, ouais, ouais. Bon, on va laisser le camion là, ouais. Ah, ouais, ouais, tout à fait. Puis on continue. Hein. Ouais, pas de problème. Le camion n'ira pas plus loin. C'est à pied que l'équipe de Martial continue. Hervé les accompagne. Il fait partie de la DAF, la Direction de l'Agriculture et de la Forêt. Avec Martial, ils interviennent ensemble quand il s'agit de lutter contre le charbonnage illégal et la déforestation. Après quelques minutes de recherche dans la brousse, Hervé découvre des indices prouvant l'existence d'un puits à charbon tout proche. Là, ils ont coupé à peu près sur une surface de 1000 mètres carrés, à peu près. Ce qui fait à peu près 300 arbres de différents types. Là, c'est rare de voir des coupes comme ça, parce que maintenant, ce qu'ils font, ils font par prélèvement. Donc, ils vont chercher un arbre à 500 mètres, un autre à 300 mètres, si bien que par hélico, tu vois pas de zone. Voilà, tu vois pas. Le puits à charbon fait 2 mètres de hauteur. Il est maintenu par des feuilles tressées. Ils encerclent comme si tu préparais à la couver, tu vois. Et après, là, le trou, tu vois, c'est la terre. Qui mettent ensuite par-dessus pour que ça se consume à l'étouffer. Et c'est ce qui va générer ton charbon de bois. D'accord. Annuellement, c'est 10-15 puits. Donc pour l'année, par exemple, 2014, en sachant qu'en 2015, on n'est même pas au premier semestre, et c'est notre 12e déjà. Ça représente à peu près 400 mètres cubes annuels pour une somme de 30 000 euros, 30-40 000 euros. Voilà. Donc là, on va finir, on va le détruire. La déforestation sauvage pour la fabrication de charbon de bois cause d'énormes dégâts à la forêt mahoraise, sans compter les conséquences sur l'écoulement des eaux de pluie, qui n'étant plus retenues, se déversent dans le lagon. Donc là, il suffit d'ouvrir, faire un appel d'air, et là, pit, ça reprend et pit, hein. Ça se consume vraiment et ça brûle, donc tu peux plus faire de charbon, quoi. Ils ont essayé de sauver ce qu'ils pouvaient sauver et le stocker plus loin en forêt, quoi. Là, il y en a. Donc là, il y a encore une pagnette. Hein. Voilà, avec ça, tu fais un demi-sac. En sortant 2000 paniers de ce puits, c'est entre 9000 et 12000 euros de bénéfices que les clandestins pouvaient espérer réaliser de la vente de ce charbon de bois sur le marché. Thank you.
si on ne fait pas ça, la forêt d'ici 2030, la forêt principale, hein, je pense qu'on la verra disparaître et on retrouvera que des petits arbres comme cela, des petits arbustes à côté, et c'est pas ce qui va donner l'oxygène au département. Chaque année, le massif forestier mahorais est amputé de 5% de sa surface. Puis à charbon, brûlis, déforestation, les taches claires s'agrandissent inexorablement dans la forêt primaire. Nous retrouvons Ibrahim du côté de Mamoudzou. Il n'est pas là pour prendre des photos, mais pour une mission bien particulière, choisir un bijou pour sa bien-aimée. Ça, c'est des bijoux qui sont destinés aux mariés, surtout à la femme. Donc là, moi, j'essaie de m'inspirer un petit peu pour justement préparer mon mariage. Surtout que les belles-mères nous imposent, en gros, en fait, quand on va voir la mariée. Donc, il faut qu'on amène ce genre de bijoux. Ça met plus la femme en valeur. Donc, c'est pour ça que ça doit être du vrai, donc de l'or, mais aussi unique. Donc là, ce sont des modèles, mais après, moi, j'essaierai d'apporter aussi ma touche perso pour que voilà, ça soit unique à ma femme. C'est Antoine qui le conseille. Il n'est pas bijoutier, mais perliculteur. Il fabrique des bijoux à base de perles mabées, une spécialité mahoraise. Alors, tu vois, par exemple, celui-ci, là, c'est un mabé qu'on appelle baroque. Mm-hmm. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un recouvrement parfait, comme par exemple sur ce modèle de tortue, tu vois, très parfaitement demi-sphérique, celui-là, on a fait une implantation similaire, mais la réaction du coquillage a été complètement différente. Ça fait une espèce de vague, plus qu'un bombé. Alors, c'est pas un mabé parfait. Le parfait, c'est celui-ci. Parce que c'est vraiment rond. Ouais, voilà. Mais voilà, on peut quand même le mettre en valeur joliment parce que la nacre est parfaite, sauf que le bombé est original, quoi. Non, là, je pense qu'après, je vais en acheter une là pour, je sais pas, peut-être pour la future bien-aimée ou... Ouh. Bon. Faut toujours croire. C'est un projet, donc du coup, pourquoi pas. Félicitations avant l'heure, alors. Antoine s'est installé à Mayotte depuis une petite dizaine d'années pour produire des perles de culture, des perles mabées. Implantées contre l'intérieur de la coquille et non pas dans le corps même du mollusque, comme cela se fait à Tahiti par exemple. Et aujourd'hui, c'est jour de pêche. Même si la température de l'eau avoisine les 28 degrés, Antoine enfile sa combinaison. Il y a des fois des trucs un peu urticants près des coquillages, des hydraires par exemple. Les hydraires, c'est des petites plumes grises qui font un petit peu comme des orties, en fait, si on transpose au terrestre. Et c'est, voilà, ça gratte, ça fait des plaques. Et du coup, même quand je fais des gros nettoyages, je mets une cagoule pour éviter d'en avoir un peu partout. Il se prépare à descendre sur ses collecteurs. Des cordes tendues à 25 mètres de profondeur sur lesquelles il a fixé des larves de moules il y a 4 ans. Neuf mois plus tard, il a introduit un noyau étranger à l'intérieur de la moule et a laissé faire la nature. Trois ans après, les moules sont adultes. Teria pinguine est une espèce qui existe naturellement à Mayotte. C'est un coquillage qui n'est pas du tout connu en France. Il est utilisé en Thaïlande, mais on n'a pas de données scientifiques du tout. Voilà, il y a des gens de l'Ifremer qui m'ont fait des demandes pour savoir comment ça fonctionnait. Les coquillages, en fait, ils ont été nettoyés tous les mois. Voilà, pendant 3 ans, implantés, et après l'implantation, ils sont de toute façon suivis tous les mois pour un nettoyage. Donc là, on va ressortir de l'eau des coquillages qui ont 4 ans d'âge.
la moule a fabriqué une concrétion ronde autour de ce corps étranger qui l'irrite, une perle mabé, comme on l'appelle ici, ou demi-perle, car elle a un côté aplati. Il ne reste plus qu'à la récupérer dans la coquille, et ce n'est pas le plus simple. Dans le cajot. L'idée, c'est que c'est des coquillages assez bizarres. Ils sont réactifs au mouvement. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de se poser ailleurs que sur le bateau, dans un endroit qui ne bouge pas du tout, qui va permettre aux coquillages de s'ouvrir. Sinon, ils ne s'ouvriront pas. Voilà. Antoine prend la direction de la plage la plus proche pour procéder à l'ouverture des coquillages. Là, ce que je fais, c'est que je coupe les nylons qui ont permis d'accrocher chaque coquillage à la corde principale. On va les disposer sans mouvement du tout. Voilà. Et ça va leur permettre de laisser le temps à ce qu'ils s'ouvrent. Voilà. Donc, j'essaie de prendre le maximum de précautions pour créer le moins de stress possible à l'animal. Voilà. Donc là, on va le laisser s'ouvrir gentiment. Là, celui-ci est en train de s'ouvrir précipitamment. Enfin, c'est beaucoup dire, mais... Regarde, il y en a déjà un qui est légèrement en train de s'ouvrir, malgré la manipulation. Alors, l'idéal, c'est d'être pas trop près, parce que ça réagit au mouvement. Donc, on va s'éloigner, et puis ça permettra au coquillage de s'ouvrir sans stress extérieur. Armé de patience, Antoine se prépare à vérifier le travail de 4 années. Si les mabés ne sont pas suffisamment beaux, il remettra les moules sur la filière. Mais il est persuadé que les perles sont au rendez-vous. Là, je vais retirer la lèvre, voilà, tout doucement. C'est une zone super fragile. Voilà. Voilà. Là, on a 2 mabés. Et c'est marrant parce que sur celui-là, on a les 2 couleurs qu'on trouve sur Mayotte. Donc là, ici, on a un mabé blanc, qui est commun, on va dire, en termes de couleur de nacre. Par contre, celui-ci, il est rare et on n'a vraiment que dans des zones géographiques comme ici qu'on peut trouver cette couleur-là. On va trouver ça après sur l'Australie, par exemple. Et ça, c'est une couleur qui est un peu l'identité de Mayotte. C'est une couleur jaune-or champagne, ça s'appelle. Ce qu'il faut maintenant, c'est après voir précisément avec une loupe et de très près s'il n'y a pas des aspérités. Des fois, il y a des petits défauts, des petits grains de beauté qui vont faire que le résultat n'est pas aussi bien qu'on le voit au premier jet. Là, on le voit dans l'animal, bon, ça a l'air plutôt très bien. Maintenant, il va falloir passer à une précision pour voir si effectivement il est parfait comme on l'aperçoit ou pas. De retour chez lui, il se prépare à effectuer l'opération la plus délicate de la récolte. Donc là, j'ai fait une première découpe. Maintenant, petit à petit, on va se rapprocher de la partie mabée pour revenir jusqu'au rond que naturellement le coquillage a mis en place. Le risque, et c'est toujours un petit peu délicat, c'est d'avec la machine ou avec les différents outils qu'on va utiliser, de mettre un petit accro sur le mabée, auquel cas la pièce a aucune valeur. Donc c'est un moment un petit peu délicat. Un travail de précision exécuté avec doigté. Cette perle va rejoindre la collection personnelle d'Antoine. Voilà, donc là j'ai des mabés de tailles différentes avec des récoltes, j'allais dire d'âge différentes. Et celui-ci, c'est une implantation en gouttes, dont le résultat est vraiment parfait, avec une très belle épaisseur de nacre. Ça, c'est vraiment un mabé magnifique. Voilà. Et ensuite, eh ben, tous ces mabés, ils sont prêts au montage pour que le bijoutier apporte sa partie orfèvrerie, voilà, avec un petit croquis que je lui ai préparé. Voilà.
L'idée du montage, c'est de ne pas surcharger le mabé, qui est déjà joli à lui tout seul. Donc il faut essayer d'être le plus simple possible. Il ne reste plus qu'à les monter sur des bijoux dessinés par Antoine et fabriqués par un orfèvre mahorais. Ces dernières années, Mayotte s'est fait une réputation internationale dans le travail de l'or filigrané. Un travail d'orfèvre, fin et minutieux. Ouais, je voulais voir avec toi, tu sais, pour cette bague-là, là, que tu m'avais faite, là, qui est super, et on avait vu pour éventuellement la faire en bracelet. Ouais. Si, je l'ai terminé, je viens de décaler ça, je te montrerai. Ouais, ok, ça marche. Voilà. Voilà, le bracelet, super. Après, c'est à toi de voir si... Ah ouais, non, elle est vraiment, vraiment, vraiment chouette, ouais. Ah ouais, super. Ah ouais, donc du coup, t'as pu faire une articulation, là, sur le... Pour l'ouvrir. Ça, il n'y a pas trop de jeu au niveau du bracelet, avec un fermeture qui est adéquate, qui est en double, ouais. Double sécurité, voilà. J'ai mis un peu la douille un peu surélevée pour que ça met en valeur le mabé. Non, super. Vraiment joli boulot, la classe. Ok, merci beaucoup. Un bracelet qui rejoindra, qui sait, la parure de sa bien-aimée. Car il est de coutume que le marié offre à sa femme un trousseau traditionnel de chaînes, de bagues et de colliers en or pour la noce. Au même titre que la parure de la mariée mahoraise, la pirogue est entrée dans le patrimoine culturel de Mayotte. Depuis la nuit des temps, on fabrique des pirogues traditionnelles à balancier sur l'île. Et elles n'ont toujours pas été détrônées par les barques à moteur. Pourtant, leur fabrication est menacée. Car seule une poignée de Fundi maîtrise encore l'art de fabriquer les pirogues. Alors, M'Kolo organise une fois par mois une rencontre entre des jeunes et le Fundi pirogue Aliaruna. M'Kolo est professeur bois et métier de l'habitat au collège de Doujani et organisateur de courses de pirogues à ses heures perdues. Aujourd'hui, il emmène des jeunes scolaires dans la brousse de Mayotte à la découverte des essences d'arbres utilisées pour la fabrication des embarcations. Ici, c'est le bademier, l'écosse. On voit la différence avec celle qu'on vient de voir tout à l'heure. Okay. L'écosse, comme quoi? Comme que, crocodile ou alors la tortue, très bien. Par rapport au tronc, là, on peut faire un pilon de combien de places? 6 places. 6 places? 20 places. Est-ce qu'une pirogue qu'on fait à la base du bademier, c'est une pirogue durable ou pas? Oui. Ah bon? Non. Oui ou non? Oui. Non. T'es sûr? Non. C'est très, très durable. Mais oui. Ici, on a aussi un arbre qu'on fait la pirogue, on va le voir derrière. On l'a déjà vu d'ailleurs, réfléchissez bien. Ici, on a le takamaka. Le takamaka, ok? Et qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à Mayotte, notre culture et l'histoire? Souvenez-vous, pour les mariages des jeunes filles, qu'est-ce qui se passe? Pour préparer la jeune mariée. Ah, comment on la prépare? Pour enlever les poils. Alors ici, comment ils font? Écoutez, on voit ici, là on a coupé comme ça, le liquide va couler vraiment très doucement. Et quand tu le prends comme ça, en fait, ça te colle. Et puis bon, de là... On pince, on tire. Ça, c'est, ça fait partie des bois phares, en fait, pour faire la pirogue ici. C'est un bois qu'on le utilise beaucoup, pas que sur la pirogue à Mayotte, au niveau de l'artisanat. On l'utilise aussi pour faire les pilons, pour faire les mortiers, pour faire les pagaies, pour faire vraiment plein de choses. Voilà, on les fait avec ça, parce qu'il a vraiment une polyvalence de résistance infernale, quoi. Phénoménal. Le takamaka sert donc à tout,
et même sa sève est utilisée pour épiler les jeunes mariés. Encore une tradition mahoraise. Plus loin, c'est l'arbre emblématique de Mayotte, l'ilang-ilang, que nous découvrons. C'est quoi comme arbre? L'ilang-ilang. OK. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Au niveau des fleurs, on en fait quoi? De l'huile. On fait de l'huile. Des pour faire des parfums. Du savon. Du savon. Waouh. C'est super. C'est cosmétique. Ah, super. Et l'arbre, qu'est-ce qu'on peut en faire? Des pagaies. Des pagaies. Et quoi d'autre? Et les balanciers. Les balanciers, OK. Oui. Allez, on pose tous les matériels partout ici. Là, je vais piler le piment qu'on rajoute avec un peu du sel, des oignons, des citrons aussi pour que ça donne, que ça pique pas trop aussi. On peut faire aussi avec le tomate. C'est très bon aussi. Après une courte pause déjeuner agrémentée de quelques recettes locales, les jeunes Mahorais ont rendez-vous avec le fondi pirogue. Allez, on se met par ici. OK, ici, comme je vous ai dit, on rencontre ici le fundi Ali Haruna. Son père était également un fundi hein, de menuisier et puis après qui faisait les pirogues au fur et à mesure. Et lui, il a appris par la suite et qui, voilà. Alors ici, par rapport au bois, est-ce qu'on reconnaît le bois ou pas? C'est du manguier. C'est pas manguier. C'est pas damier. Voilà, le mtondro, c'est le... Takamaka, très bien, ok. C'est du takamaka. Là, il est en train de justement faire la finition à l'intérieur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant, quand nos anciens faisaient la pirogue, ils ne faisaient pas que la pirogue. En général, les gens, c'était, ils allaient travailler la terre, ok. Ils se levaient le matin, ils allaient d'abord cultiver dans son champ, aller à la pêche, et puis hop, il a un peu de temps, il travaille sur la pirogue, ok. Ils ne faisaient pas que ça au quotidien. C'est pour ça que ça durait 2 à 6 mois. Sans outils de mesure autres que ses souvenirs, Ali Haruna sculpte progressivement un engin d'une grande précision. Il utilise la hache et le chumbo, puis des outils plus précis comme le riz ou l'upanga. Allez, on voit ici les mesures, les manières de mesurer. Tout le monde voit. Alors au jour d'aujourd'hui à Mayotte, si on veut se procurer une pirogue de cette taille-là, une pirogue simple de place, il faut compter vraiment minimum 800 euros. Qui veut, avec les gestes de la vie, faire le fondi? Qui veut essayer de faire? Allez, il y a la vie qui peut ici, pour le côté là. Allez, pour celui-là, voilà, tu vois. Voilà, avant de faire, ça va ici, c'est pas tout à fait n'importe comment. Ça va prendre des années pour faire ce boulot. C'est un peu de temps. Ali Haruna ajoutera par la suite un flotteur à balancier afin de garantir la stabilité de la pirogue. Car la forme ronde du tronc qui sert pour la coque a tendance à déséquilibrer la pirogue au moment de la navigation. Le balancier est alors indispensable si les rameurs ne veulent pas se retrouver la tête dans l'eau à la moindre vague. Démonstration. Vu qu'il y a du vent, et que comme là, cette équipe, c'est des jeunes qui n'ont jamais fait la pirogue, c'est une évidence. C'est parce qu'ils n'ont pas bien coordonné. Et le chavir en moi s'est fait naturellement. Ben, quand c'est comme ça. C'est pas du tout évident, pas du tout, parce que faut avoir la stabilité, vu que là, comme vous avez vu aujourd'hui, voilà, les vagues, il y a le vent, la marée montante, hein, les alizés un peu. Mais du coup, il faut avoir l'expérience et aussi maîtriser l'engin, quoi. Depuis quelques années, M-Colo organise des courses de pirogues sur l'île de Mayotte, dont la plus célèbre est celle du bout de l'île.
L'occasion de mettre à l'honneur l'embarcation emblématique du patrimoine culturel maritime de Mayotte. Une course de pirogue de 3 km entre la plage et l'îlot de Mbouini au sud de l'île. Saïndou et Abdou, deux jeunes de la commune de Bandrélé, ont été les plus rapides lors du défi Fundi Jeune. Cette course, organisée en plein cœur du parc naturel marin et avec sa collaboration, a démontré qu'il était possible d'intéresser les jeunes Mahorais aux pratiques traditionnelles ancestrales. L'île de Mayotte, nouveau département français, aura besoin de toutes ses forces vives pour relever les lourds défis de ces prochaines années. Ce territoire rencontre des difficultés sans précédent au sein de la République. Les infrastructures essentielles font défaut et pourraient à terme menacer la santé fragile du lagon. Et puis, il y a cette exceptionnelle pression migratoire, avec les drames humains qu'elle provoque et les difficultés sociales, économiques et environnementales qu'elle suscite. Mais par sa jeunesse, sa culture, sa géographie ou encore son environnement, Mayotte représente une véritable chance pour la France. Il est temps de quitter Mayotte. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Passion Outre-mer. En attendant, gardez l'œil bien ouvert, sur terre comme en mer. Et à très bientôt sur France O.